Tu avais évidemment l'œcuménisme comme objectif principal, ainsi que le dialogue interreligieux au moment des amitiés judéo-chrétiennes et avec les amis musulmans. Nous voulons souligner tout particulièrement l'importance pour toi de rencontrer les prêtres de Turin, à savoir Jean Kanzer, Serge Lippi à l'époque, Stéphane Kahn, avec lequel d'ailleurs venait le projet de voyage en Israël, actuellement reporté. COVID-19 oblige. Nous avons appris avec toi l'importance de chanter des cantiques. Faisant partie de la culture protestante depuis quelques générations, il y en a quelques-uns ici, j'aurais été ravi, moi personnellement, de chanter également des cantiques avec une musique de notre temps. Ah, tu regrettes, mais bon, c'est pas grave. Mais il y a eu également des nombreux moments ici à Turin pour toi et ta famille, et je veux parler du décès de ta maman. D'un moment de Maïfa et de tes chers parents fidèles avec qui nous avions tissé des liens. Voilà un chapitre de ta vie, de votre vie, qui se termine ici à Thionville, et un autre va s'ouvrir avec la paroisse réformée de Montélimès et ses environs. Et nous te confions au Seigneur trois fois saint qu'il soit ton berger, ton soutien, qu'il te fortifie, te bénisse, toi et ta famille, dans ce nouveau ministère. Et j'invite maintenant Maïfa et je suis là à venir te voir ici, à continuer au papa. Et en signe de reconnaissance, à tous les trois, recevez ces quelques présents. Je me tourne vers les personnes qui doivent normalement vous remettre ces présents. Certainement, si vous le souhaitez, mais bon.
Merci à tous.